Hubert, vous repartez en mission. Vous êtes bien UTBM 117, le meilleur étudiant UTBM ? Oui, enfin, le meilleur, c'est pas moi de le dire. Nous cherchons à développer la même chose, le projet AV à 15. Êtes-vous prêt à faire équipe avec les alternants ? Oui. Les étudiants ingénieurs par apprentissage. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'avoir une polycopie aussi jolie. Je suis majeure de ma promo et alternante au CNRS. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Où est le cahier des charges ? Aux dernières nouvelles, il était dans le département tronc commun. Mais qu'est-ce donc ? Ce sont de jeunes bacheliers qui espèrent devenir ingénieurs. Là, autre chose. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas Génération Y, allez la jeunesse, Facebook, selfie. C'est le vrai monde là-dehors. Et le vrai monde, il capture pas Pikachu, déjà. Blouse, lunettes de protection. Merci, mais je ne me servirai que des lunettes. Faites ce que vous voulez. De là, je vais être un petit peu brutal, mais il m'est impossible de m'engager avec une femme. Mes histoires d'amour sont comme la fission nucléaire. Puissante, intense, mais éphémère. Tout cas, une des aventures. Je suis une aventure. Ah, vous étiez là ? Vous tombez à pic. UTBM 117, Belfort ne répond plus. Porte ouverte le 15 mars sur le site de Seven. Si vous aimez la science et l'humour, vous allez vous régaler. À bientôt !